sommes actuellement enfermés dans la prison des Skibidi Toilettes et on va devoir tout faire pour s'y échapper le plus rapidement possible avec Twitwi. Comment ça va, fils? Eh ben ça va bien, et toi, ça va? Bah moi ça pète pas trop la forme parce que t'as vu dans quelle galère on est actuellement. Ah oui, j'avoue que si tu reprends le contexte actuel, oui c'est sûr que ça va pas trop quoi. Ah bah oui, c'est pas la meilleure forme qu'on ait pu vivre en tout cas. Bon, en tout cas, Cameraman nous a quand même laissé un message, tu peux le lire Twitwi? Évadez-vous rapidement de la prison de Skibidi. Ok, bon. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, c'est la mort. Et d'ailleurs, ça risque d'être aussi la mort pour toi si tu ne t'abonnes pas à la chaîne dans les 5 prochaines secondes. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Dépêche-toi. Ouais, dépêche-toi de t'abonner, ouais, voilà. Et lâche un like, c'est très important. Exactement, Twitwi. Et surtout, rejoins la team Roblox. Eh oui, puisque j'ai un groupe Roblox que tu peux rejoindre. On est une vingtaine, mais si on passe les 100, peut-être qu'on pourra faire plein de petits jeux tous ensemble. Enfin bref, il est maintenant l'heure qu'on s'enfuit de cette prison. Allez, Twitwi, est-ce que t'as déjà fait des parcours un petit peu compliqués comme cela? Là, si j'observe bien, j'imagine qu'il faut pas toucher l'eau. Exactement, on va éviter de toucher l'eau puisque c'est une eau sinon qui il se passe ça. Exactement, voilà. Puisque c'est une eau qui est contaminée comme tu peux le voir. Donc franchement, je te déconseille de mettre même un petit pied parce que ton pied risque de finir en compote sinon. Allez, Twitwi, grimpe ici là. Allez, attention. Dedans, hein. Voilà, parfait. Bon, maintenant on passe par ce petit conduit d'aération et voyons voir la nouvelle manche que nous allons avoir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on va pouvoir passer par ici. Parfait. Ça m'inquiète tout ça. Ok, des petits zigzags. Ok, bon, allez, c'est parti, on y va. Oula, j'ai un petit peu peur. Allez, allez, tu peux le faire. Bon, est-ce que tu penses qu'on va réussir à s'évader de cette prison, oui ou non, toi? Oui, je pense, on est super forts, nous deux. On rappelle quand même que c'est la prison des Skibidi Toilettes, hein, c'est pas n'importe qui. Oui, mais on a déjà connu pire. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà réussi à s'échapper de plein d'autres prisons. Bref, on va tout faire pour réussir à s'y échapper. Dans les commentaires, reste jusqu'à la fin de la vidéo et on va peut-être réussir à tuer Skibidi Toilette aujourd'hui. Qui le sait? Allez, let's go, Twitwi! D'ailleurs, on rappelle quand même que c'est à cause de toi qu'on est ici, hein, parce que t'as pas tiré la chasse d'eau, donc... par contre, t'es pas obligé de dire, hein, parce que... Voilà. Tu veux qu'on se rappelle de ce que t'avais fait comme caca avant de tirer la chasse? Oui, bon, c'est bon, hein. Parce que j'ai tiré la chasse parce que Twitwi a fait un gros caca aussi, c'est ça qu'il faut préciser, hein. Hein, tu voulais pas que j'ai ça devant les abonnés? Non! Ok, allez, on sort les toilettes des garçons. Ouh, et des maintenant lasers. Ok, on saute sur les lasers. Alors attention, parce que tu dis, je pense que si tu touches un de ces lasers là, ça risque de pas faire du bien. En cuisse de poulet, je pense. Ouais, minimum. Hein. Allez, hop. Oula, what? Attends, mais un caméraman ici. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, pas. Je ne suis pas doué pour l'hobby. Oh non, caméraman, il est mort. D'accord. Dommage. Bon, bah déjà, caméraman n'a pas. Oh, non, Twitwi. Non, attends. Reviens. Oh, j'ai peur. Non, c'est bon, c'était juste que j'ai glissé, mais je suis tombée sur le corps de caméraman. Tu m'as fait un peu peur, j'ai cru que t'allais mourir pour toujours, mon pauvre. Bon, allez, vas-y, on va grimper, nous, on va passer par ici, on va passer par là, et attends, oh, écoute, Twitwi, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? On n'entend pas un mec un petit peu en train de ronfler, là? Si. What? Ok, bon, je crois qu'il y a peut-être un Skibidi Toilette qui est en train de ronfler, on va voir ça tout de suite. Twitwi, c'est une araignée. Mais non, c'est pas une araignée, c'est Skibidi araignée. C'est Spider Skibidi. Ok, chut. Bon, faut pas le réveiller, on va passer par là. Vas-y, fais-lui des petits guillis pour voir. Guilly. Oh, vas-y, cours. Mais il faut sauter dans les égouts. Ok, ça pue. Ah, mais ça sent tous les cacas que t'as fait, Twitwi, c'est dégoûtant. Vraiment pas bon. C'est à cause de tous les cagas que t'as fait, cette odeur, Twitwi. On marche sur quoi, là, par contre? Bah, j'ai peur qu'on marche sur des morceaux de caca, hein, ou peut-être pas. Non, en vrai, c'est dégueulasse. Des planches un peu périmées, je sais pas, mais... En vrai, vu qu'on est dans les égouts, j'ai peur que ce soit des trucs un peu dégoûtants. Bon, allez, on va grimper par ici, on va escalader tout ça. Bon, ça va, c'est pas très compliqué. Je suis quand même plutôt doué, et maintenant, on a même des petites... des petites barques, en fait, des petites barquettes. Ouais, c'est bizarre, hein, je sais pas qui a mis ça dans les égouts, mais... Allez, vas-y, suis-moi, Twitwi. Hop là, on fait... Oh non, Twitwi! Non, ça va, tu t'es pas fait mal! Tu t'es pas cassé le pied! Non, c'est bon. Ok. Bon, évite de toucher l'eau contaminée parce que franchement, elle est dégoûtante. Je crois que je vais devoir revendre ma chaussure. Hop là! Allez, on grimpe sur tous ces petits côtés-là. Franchement, en vrai. Oh! J'ai failli mourir, Twitwi.
Vas-y, fais ça pour nous. Voilà. Je tremble un peu, donc c'est un peu compliqué. Tu m'étonnes. En vrai, les potes, Tutoui, vous savez, il est pas trop habitué au hobby, donc c'est vrai que c'est un peu une première pour lui. Et d'ailleurs, hey, Tutoui, tu l'as acheté où ton petit, ta petite casquette là, enfin ton petit bonnet, il est stylé, hein. Ah bah ça je le dirai pas, c'est la grand-mère qui l'a cousu, hein. C'est vrai qu'il est vraiment stylé. Allez, on continue, on va sauter sur ces petites barques, boum, et on enchaîne directement. Bon, par contre, les égouts sont vraiment énormes, hein. Parce que vraiment, je sais pas quand est-ce qu'on va tomber sur Skibidi Toilette, mais vous inquiétez pas que moi et mon fils Tweetweep, on va réussir à tuer Skibidi Toilette par tous les moyens possibles. Mais alors, Tweetweep, t'y arrives ou quoi, là? Allez, juste tu sautes, tu sautes et tu sautes. Et tu vas y arriver. Boum, boum, et... Mais je t'ai tué, là. Mais saute au bon moment, Tweetweep, sinon ça va marcher. Tu te mets bien sur le côté de la cagette. Hop là, et après, boum. Ah oui, voilà. Effectivement, ça exact. Marche. Exact. Allez, hop, oula, on passe ça par m'a l'air pas solide tout ça, hein. Je passe vraiment très vite. Oh mais what? C'est moi où on court un peu plus vite qu'avant là? What? On a été muni d'un petit pouvoir, oui, on dirait. Tu penses pas qu'il y a un petit courant d'air devant nous? Ouais, je crois qu'il y a en effet un petit courant d'air parce que là vraiment on court beaucoup plus vite qu'avant. Bon, en tout cas, là, on est à un endroit un petit peu étrange. Bon, on va attendre tranquillement que Tweetweep débarque, mais oh là là, regardez un petit peu les égouts, tout ce qui nous reste à parcourir là. Non, ça fait très très peur, hein. Oh, on doit passer par ici, par là. Je suis vraiment nul aux oubliants. Mais ça, non, Tweetweep. Vous avez pas mis votre like, je le sais. Ah, et bah, les potes, si Tweetweep n'arrive pas à faire la suite du parcours, c'est parce que t'as pas mis de pouce bleu. Donc dès maintenant, like la vidéo, c'est super important, quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de mettre un like. Ah, bravo, merci pour ce pouce bleu parce que Tweetweep a réussi à faire le parcours. Bon, allez, on enchaîne directement. On va passer par ces petits tuyaux d'aération. Oh, ça m'inquiète. Heureusement qu'on est vacciné contre le tétanos. Ouais, parce que c'est vrai que là, on risque d'attraper des grandes maladies vraiment dégoûtantes. On escalade sur cette petite échelle. Ouais. Là, je peux te dire que le Covid à côté, c'est rien. Bon, allez, on va pas non plus parler de ces sujets un petit peu controversés. Ouais. On va directement monter tout en haut. Parfait. Oh, t'entends? What? Vite, courez, l'araignée Skibidi va essayer de vous obtenir. Courez, vite, cours, Tweetweep. Non, il y a l'araignée qui est en train de me poursuivre. Il y a la Skibidi toilette araignée. Vite. Oh là là, la Skibidi toilette araignée. Il fait vraiment super peur en plus. Ouais, bon, je te conseille de vraiment pas t'arrêter parce que là, c'est une araignée qui veut vraiment en découdre avec nous. Oh non, Tweetweep, tu vas te faire manger par l'araignée là. Vite, cours. Allez, vite, hop, on prend le virage direct. Allez, go. Oh là là, l'araignée avait a l'air d'être vraiment très en colère. Oh là là là, vite, dépêche-toi, tu vas mourir. Oh là là, regardez le visage de cette araignée Skibidi Toilette. Elle me fait tellement peur. Bon, j'espère qu'elle ne va pas nous attaquer. Non, s'il te plaît. Laisse-toi tranquille, nananananer. Oh, ok, bon, je vais arrêter de l'embêter parce que là, elle va clairement m'attraper sinon. Ah, le caméraman. Oh non, fais gaffe, tu vas te faire attaquer, Tweetweep. Fais gaffe. Non. Boum. C'est bon. Oula. Elle est morte. Parfait. Ok. Bon, attendez, l'araignée est morte. Belle course. Ah, merci. C'est vrai qu'on a fait une très belle course, monsieur caméraman. On a réussi même à tuer l'araignée. Et hop. What? Attends, mais t'as mis une claque à caméraman? Vas-y, vite, on part. Mais normalement, on met pas des claques à caméraman. Il est gentil, lui. C'est à Skibidi Toilette qu'il faut lui en mettre. Parce que lui, il est pas très cool. Regarde-moi là-bas. Oh. Mais d'ailleurs, en parlant de Skibidi Toilette, tu le là. Vois là-bas, c'est qui? J'ai l'impression que c'est le boss. T'as pas l'impression? Mais oui, c'est clairement le boss des Skibidi Toilette là-bas. Alors là, ça sent pas très bon. Vraiment, ça sent pas bon du tout. Ouh, attends. Va combattre ce boss et on est presque libre. Oh, allez, vas-y. Go le combattre, mec. On a des lance-roquettes. Allez, attaque-le. Boum. Allez, vise bien sa tête là. Avec ses grosses dents d'âne là. Il a les mêmes dents que l'âne dans Shrek. Allez, c'est parti. On dirait Lola. J'avoue, les potes. Tweetweep est en train de clasher sa petite sœur Lola. Allez, c'est parti. Oh là là, bah alors, Tweetweep, t'es bête ou quoi? Hein? Tu clashes ta sœur, mais t'es pas très fort pour tuer le monstre. Hein. Oui, allez, c'est parti. On tire plein de petites boulettes sur Skibidi Toilette. D'ailleurs, qui était vraiment énorme. Hein. Regardez-moi cette taille là qu'il fait. Oh là 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 là. Allez, boum. On vise sa petite tête. Boum. Ah ouais, là, on est en train de lui infliger un maximum de dégâts. Hein. Regardez-moi ça. Il a presque plus que la moitié de sa vie. Allez, on devrait normalement réussir à le tuer. Ok, allez, vas-y, let's go. Je me suis tué avec le prof. Bah non, mais Tweetweep, t'abuses. Franchement, tu peux quand même réussir à tuer le boss. Il est pas non plus si compliqué que ça. Regarde-moi ce que je lui fais. Je lui fais de graves des dégâts.
Il a l'air d'être dégoûté. Allez, ah, mais on n'est pas obligé de tirer dans sa direction, d'accord. Bah oui, on peut tirer n'importe où. D'accord, je viens de comprendre, faut juste cliquer. Voilà, exactement, Twitoui. Allez, bon, moi, dans ses grosses dents, là. C'est vrai que les potes, Twitoui a quand même vraiment des... Enfin, Twitoui. Quoi? Attendez, mais quoi? J'ai presque réussi à le tuer. Mais non, mais c'est pas possible, j'ai pas fait gaffe. Mais t'as vu, parfois c'est bizarre. Ouais, là par contre c'était un peu bizarre, parce que pour le coup j'avais presque réussi après, à le tuer. Après, moi c'est peut-être une bonne excuse pour moi, mais... Ouais, voilà. Toi, je pense que quand tu parles, c'est plus des excuses, hein. Parce que moi vraiment, pour le coup, j'étais vraiment à côté. Bon, bref, c'est pas grave, on y retourne. Deuxième tentative, et allez, cette fois-ci, c'est la bonne. T'inquiète pas, Skibidi Toilette, cette fois-ci, je vais t'anéantir. Tu vas voir un petit peu ce que je vais te faire, toi. Ok, allez, hop, on lui tire plein de balles dessus, histoire de ne plus l'entendre parler. Hop, attention, Skibidi Toilette arrive. Attention. Ok, on tape. Ok. Allez, c'est parti. Bon, ce qu'on fait, c'est que j'attaque encore pendant quelques secondes. Et une fois qu'il sera avec peu de vie, on reprend la vie. Allez, c'est parti, les potes. Il ne manque plus qu'une petite dernière boulette. Et boum. Vas-y. On a réussi. Ok, alors je sais pas si on a fini par tuer tous les skibidi toilettes. Mais en tout cas, continuons. Qu'est-ce qui est écrit? Attention. Utilise la vitesse pour passer cette étape. Oh là là, mec. On court super vite, Twitoui. Vas-y, go, profite-en. Let's go. Ok, les potes. Alors là, on a eu le super pouvoir le plus stylé au monde, puisque on est devenu Flash. Regardez comment on court vite. Oh là là. Non, mince, je suis tombé. Non. Ouais, on court tellement vite qu'il faut faire quand même attention. Ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on court aussi vite comme ça, mais franchement, j'adore ce super pouvoir. Par contre, Twitoui, je crois qu'il a un peu peur de la course. Hein, regardez ça, il fait ça bien tranquillement, ouais, bien doucement. Ouais, j'ai un peu peur parce que j'ai glissé un peu. En fait, tu cours comme un petit papy, quoi. Allez, hop. Vas-y, viens là que je te rattrape, toi, je cours comme un petit papy. Vraiment rapidement, hop là. Vas-y, ouais, cours rapidement. Et hein, voilà. Tu cours plus rapidement, là, viens là que tu me rattrapes. Tu me rattraperas pas aujourd'hui, Twitoui. Tu sais très bien que je suis le meilleur. Ok, allez, c'est parti. Wow, il court quand même vite. Tu es le meilleur. Voilà, allez, c'est parti. On grimpe. Et les potes, mais oui, je crois... De toute façon, mon papa, c'est le meilleur youtubeur de... Voilà. Non. Mais non, mais quoi? Je suis tombé. Je suis tombé avec toi. Ah, toi aussi, t'es tombé? Ouais, j'ai regardé un petit peu. Attends, vas-y, on va remonter. T'inquiète pas, vous inquiétez pas, on va remonter tout de suite en haut. Et qu'est-ce qui nous dit caméraman une fois qu'on est en haut? Mec, attends, regarde. On a déjà fini? On a réussi, mais regarde, c'est quoi ce grand chemin rose? Bon, par contre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a sous ce grand chemin rose. Je pense que c'est un easter egg. Hein, ouais, avis, mais il va pas... être un peu loin. Perso, ouais, j'ai la flemme, Twitoui, hein. Je sais pas toi. Ouais. Au pire, tu peux aller. Moi, aujourd'hui, on a quand même tué le boss des Skibidi. Je pense que c'est quand même pas mal. Hein. Et puis, on l'a fait en facile, hein, les amis. En tout cas, si vous voulez qu'on refasse ce parcours de Skibidi, mais en difficile, c'est-à-dire que tout sera deux fois, voire dix fois plus compliqué, on sait pas. Mais tout de suite, un grand pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et dès maintenant, je te repose deux nouvelles vidéos. Une qui est affichée ici et une juste là-bas. Clique tout de suite dessus. Je te souhaite un bon visionnage. Bye.